Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous accueillons dans notre troisième séance de notre atelier d'écriture en latin Scribamus. Nous vous rappelons que nous écrivons ensemble, moi-même, Adrien Bresson, professeur de lettres classiques, des étudiants de l'univers ou anciens étudiants de l'université de Lyon-Saint-Étienne et la vie des classiques représentée ici par Dorian. Donc, nous écrivons en latin l'histoire d'Eros et de Psyché sous le format Petit Latin de la collection désormais bien connue. Nous avons précédemment fixé le sommaire de nos chapitres, nous avons écrit les titres en français et en latin, et nous nous attachons aujourd'hui à la présentation des personnages et de la situation initiale à travers un prologue dont nous avons la dernière fois fixé les éléments principaux, et nous allons aujourd'hui, plus avant, définir le cadre de ce prologue et potentiellement l'écrire d'ailleurs selon le temps que nous avons. Alors, quelle proposition avez-vous pour le prologue? Je vous écoute. Armand, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Par quoi on commence? Il me semblait qu'on avait eu une proposition d'ailleurs la dernière fois de phrase initiale qui était assez intéressante. Oui, alors ben, pour moi, les éléments qu'il faut dire, on les avait marqués précédemment à la fin du live de la semaine dernière. Oui, effectivement. Oui. Alors, ce que vous faites, c'est que vous nous les rappelez en français et après on voit comment on organise ça pour le latin. Vous voulez bien nous rappeler vite fait ces éléments en français? Oui, ben, tout d'abord, on avait vu que la scène se passait dans un lieu qui n'était pas précisément défini, donc simplement. Qu'il s'agissait d'un royaume assez riche où se trouvent un roi et une reine. Pour ce qui est des personnages, le roi et la reine ont trois filles. Les deux aînées, les deux sœurs sont mariées à des rois, à de vieux rois dans des contrées lointaines. Et la plus jeune fille, la Benjamine, qui s'appelle Psyché et qui est l'héroïne de l'histoire, elle est caractérisée par sa beauté. Et elle a notamment de nombreux prétendants qui viennent la demander en mariage, ce qui fait la fierté et le bonheur de ses parents. Très bien. D'autres précisions à apporter, Dorian, Emmanuel, Clara, d'autres choses que vous avez retenues? Je croyais qu'en fait, le souci, c'était justement que personne ne l'a demandé en mariage. Alors Armand, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, dans mes souvenirs, c'était plutôt tout le monde l'a demandé en mariage, mais peut-être que c'était différent dans une des versions de Molière ou de La Fontaine, mais dans Ah mes oui. souvenirs, Ouais, en tout c'est cas, chez peut-être dans une Apulée, tout autre le monde la version. demande en mariage et se précipite pour la voir et l'adorer. Dorian, vous avez un souvenir là-dessus? Je suis en train de regarder mes notes. Je suis assez d'accord avec Armand, dans mes souvenirs aussi. Alors, moi je pense qu'il y a une version. je suis en train de regarder rapidement. En fait, le Alors, chez La style. Fontaine, donc Psyché est la plus belle des trois sœurs, ceux qui provoquent la jalousie de Vénus. Et chez Apulée, qu'est-ce qu'on nous dit? Chez Apulée, effectivement, les hommes délaissent Psyché parce que, en fait, Vénus, jalouse de sa beauté, a fait en sorte que personne ne la demande en mariage. Ce qui est l'inverse chez La Fontaine. Chez La Fontaine, tout le monde veut épouser Psyché en raison de sa beauté. Donc, de toute façon, bah, en fait, il faut qu'on se décide juste qu'est-ce qu'on fait? On dit que tout le monde veut épouser Psyché en raison de sa beauté, ou alors on dit que. En raison de sa beauté, Vénus est jalouse de Psyché et donc que personne ne veut l'épouser. Alors, en fait, j'ai une proposition à vous faire à ce sujet, parce qu'en parlant, j'ai des idées qui me viennent. Est-ce qu'on dirait pas, dans un premier temps, que tous les hommes veulent l'épouser? Et après, dans le premier chapitre, on dit que Vénus, jalouse de la beauté de Psyché et du fait que tous les hommes veulent l'épouser, fait en sorte que finalement, personne ne veuille l'épouser. Donc, comme ça, on aurait les deux états. Et une espèce d'explication de pourquoi personne veut l'épouser alors qu'elle est très belle. Est-ce que Oui, ça parce pourrait que vous c'est vrai que ça n'a convenir? aucun sens. Oui, c'est sûr. Ça vous conviendrait ou pas cette solution? Dorian, oui?
J'aurais plus une tendance à ce qu'on peut-être, alors c'est à discuter, mais à ce qu'on se décide à rester fidèle à une version, OK. enfin, a priori celle d'Apulée, et éventuellement de temps à autre de dire ben, un autre dit ça, mais juste pour qu'on ait une ligne de conduite, parce que si, enfin, ça dépend de comment on envisage la chose. Est-ce qu'on met Apulée au premier plan et Molière et La Fontaine qui nous apportent par moment des compléments sur des choses qu'Apulée ne dit pas, ou est-ce qu'on met les trois versions sur le même niveau et finalement on cherche à en reconstituer une qui prenne des éléments des trois? Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Posons-la nous. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, enfin, c'est une question que je me suis posée en fait notamment, enfin, pragmatiquement dans les phrases de prologue que j'ai préparées, notamment au moment parce que, par exemple, Apulée dit que la plus jeune s'appelle Psyché mais ne nomme à aucun moment les deux aînés, alors que Molière, souvent pour des nécessités dramatiques, puisqu'elles apparaissent sur scène, elles conversent avec Psyché, etc., elles ont un nom. Oui, J'ai essayé de absolument. chercher un petit peu, j'ai pas réussi à remonter à d'où est-ce qu'ils tirent ces noms-là. Mais donc, c'est pour ça que j'avais une phrase qui dit un poète nous rapporte que blablabla, mais les anciens ne connaissaient que le nom de Psyché. Enfin, j'ai fait une phrase comme ça, pour essayer de. Mais dans cette idée, parce que je partais avec l'idée que on suivait la version surtout d'Apulée, et que ponctuellement, on pouvait faire référence à une version postérieure du mythe. Bon, de toute façon, la question qui se pose, c'est soit on suit que la version d'Apulée et on fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire que de temps en temps, on dit un poète ou un autre auteur dit que, soit on s'autorise à être un peu comme des compilateurs, hein, comme des sortes d'Apollodore, et on fait une version qui peut tirer un bout d'un côté, un bout de l'autre, et essayer d'avoir une vision à peu près générale. Alors, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, hein. J'ai pas de religion par rapport à ça. Mais La proposition générale, je la trouve séduisante dans le sens où on peut créer quelque chose qui nous appartient. Après, suivre un auteur, c'est aussi bien, je sais pas. OK, Armand, vous avez un avis? bah, je venais de relire le début d'Apulée et il me semble que il précise effectivement pas que tout le monde la demande en mariage, mais c'est parce que dans la croyance populaire de l'époque, tout le monde pensait que Psyché était l'incarnation vivante de Vénus parmi les hommes. Et donc personne n'avait la prétention de vouloir l'épouser. Donc c'est encore une version qui diffère encore de ce que racontent Molière et La Fontaine. Et donc si on veut faire peut-être une version qui est fidèle à Apulée, il faudrait dans ce cas-là préciser l'idée que les hommes la considèrent incarnation parmi sur Terre de Vénus, en fait. Qui aggrave Mais son alors, cas en fait. pour le coup, est-ce que si on fait ça, on commence pas à empiéter un peu sur le premier chapitre qui est la jalousie de Vénus? Si, je pense. C'est ça le souci. Mmh. Du coup, c'est pour ça que moi je trouvais que préciser que les hommes l'adulent et qu'elle a beaucoup de prétendants était une bonne solution puisque La Fontaine le fait. Et après, dans le chapitre Vénus, expliquer que, ah bah ouais, mais en fait, jalousie de Vénus, tout ça, et donc embrayer notamment ce que vous venez de dire, Armand. Après, on en revient exactement au même débat, c'est est-ce que on s'autorise cet excursus ou pas, sachant que c'est pas forcément abordé par Apulée. Et est-ce que on s'autorise une espèce de version un peu mélangée, générale, émanant des différents auteurs qu'on a lus, ou est-ce que on reste stricto sensu sur la version d'Apulée en ajoutant quelques petites précisions, en disant à chaque fois oui, mais un autre auteur dit que. De toute façon, les deux solutions elles sont possibles. Hein. Si on songe par exemple à des écrits historiques tels que peuvent les pratiquer Thucydide, Xénophon, Diodore de Sicile, je pense grec, là me demandez pas pourquoi, hein. Enfin, si vous pouvez, mais je vous répondrai, mais c'est pas le sujet. Donc ces historiens sont en fait tout le temps en train de dire j'ai lu chez, je sais pas moi, Hérodote, que ceci, cela. Bon, ça c'est une solution. Une autre solution, c'est plutôt la solution compilateur mythographe que ferait par exemple Apollodore, c'est de rassembler les versions sans préciser d'où ça vient, et là, bah, après, c'est en même temps le principe de l'écriture, dans le sens où on n'invente pas
mais on décide nous-mêmes de quelles sont nos sources et de comment on les arrange. Et dans ce cas-là, d'un côté, on est vraiment sur un savoir un peu historique, de l'autre, on est sur une écriture un peu plus libre. C'est un choix à faire et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Les deux possibilités, je pense, sont envisageables. Mais Dorian, je vois que la deuxième possibilité vous séduit moins. J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir une rigueur scientifique au sujet du mythe d'Eros et de Psyché. Pas spécialement une pardon. Je crois que quelqu'un voulait prendre la parole. Oui, non, mais j'attends. Ah, c'est pas spécialement une rigueur scientifique, mais je me dis que l'écart temporel est suffisamment large et que les manières d'écrire d'un Molière ou dans La Fontaine, je veux dire, qui cherche un petit peu à tirer le mythe par tous les bouts pour le coller aussi à la scène et finalement enfin, pour faire des œuvres littéraires de leur temps. Donc je me dis que ça amène par moments à tirer un petit peu le mythe par. Mais en même temps, vous allez me dire, oui, mais Apollodore faisait pareil. Mais Apollodore, pour moi, comme c'est l'Antiquité, ça reste un bloc. Et ouais. Ouais. Alors j'écoute votre arg j'entends votre argument. Emmanuel, vous voulez dire quelque chose avant que je réagisse? Ben, en fait, je revenais sur ce que vous disiez par rapport à la version d'Apulée, et peut-être que l'avantage, ce serait que les personnes qui lisent puissent avoir ben, un texte latin auquel se référer, un seul texte, en fait, en disant, ben voilà, ça vient de là. Donc si à un moment j'ai le niveau, je peux retourner là. Ben, je ne sais pas. Ou je peux y accéder plutôt. Et là où je rejoins Emmanuel, c'est que c'est un petit peu par moment la prétention aussi de la collection, qui est par exemple voilà, le volume sur Œdipe, il est calqué sur l'Œdipe de Sénèque avec des passages pris dans l'Œdipe de Sénèque pour que éventuellement petit à petit on accède au texte original. Alors moi, je veux bien vous suivre, sauf sur un point qui, je pense, va être problématique, c'est cette histoire de nom. Et je m'étais déjà fait la remarque, c'est que le problème, à chaque fois qu'on va parler des sœurs, on va se retrouver à dire la première sœur, la deuxième sœur, les deux sœurs, ça va être un peu embêtant, non? Ben, c'est pour ça que dans la version du prologue que j'ai travaillé, mais qui a suscité ta discussion, j'ai donné le nom des trois sœurs en disant un poète nous rapporte blablabla qu'elle s'appelle un tel, mais dans l'Antiquité on ne connaissait que ça, pour bien dire au lecteur, voilà, si vous allez chez Apulée, quitte à ce qu'on fasse après un petit encart sur la réécriture du, voilà, dès le début, sur la réécriture du mythe aux époques ultérieures, en faisant un petit encart, disant, voilà, comme on le voit par exemple pour la question des noms, on a des choses qui apparaissent au XVIIe et on ne sait pas trop d'où ça vient, mais pour les nécessités de l'ouvrage et autres, on a rétabli en fait ces noms-là. C'est voilà, c'est les petits moments où on se permet d'aller piocher dans les versions ultérieures. Enfin, c'est ce que j'entendais par là. Ok. Armand, vous vouliez parler? Ben en fait, moi, je me posais la question de dire si on essaye de différencier un peu les trois versions et essayer de toutes les mentionner un peu dans notre projet de rédaction. Est-ce que à certains moments, quand les trois versions vont différer grandement, je pense par exemple notamment à la dernière épreuve où chez La Fontaine, il y a quand même cette histoire de couleur de la peau. Est-ce qu'à un moment, on va pas partir sur une version où on va faire, ça va devenir trop long de dire alors chez l'un et ça se passe comme ça, chez l'autre ça se passe d'une autre façon et encore chez l'autre ça se passe encore différemment. Est-ce qu'on ne va pas se perdre à se retrouver avec trois histoires différentes plutôt qu'une histoire cohérente? Donc, J'avais compris. l'idée en... Oui, allez-y Emmanuel, je parlerai après. J'avais compris que Dorian parlait juste d'incursion, mais vraiment ponctuelle. Donc, j'avais pas Oui, c'est compris. vraiment... Mais Oui. par exemple, c'est là où je me disais que, par exemple, pour la quatrième épreuve que tu évoques, Armand, on pourrait très bien mettre le passage de La Fontaine dans les compléments. Et dire, bah, La Fontaine... Dans la version qu'il donne, on ne donne qu'en français, hein, mais voilà, La Fontaine donne une autre version de cette épreuve, peut-être à la différence de ce que nous rapporte Apulée. Mais est-ce qu'on risque pas justement de trop partir dans tous les sens si dans chaque chapitre, il y a plusieurs fois, on dit chez La Fontaine, ça se passe comme ça, chez Molière, ça se passe comme ça? Ben, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de doser, pour que voilà, c'est que je disais, enfin que je trouvais ça peut-être pertinent de suivre au maximum Apulée, et quand vraiment ça nous semble très pertinent de mentionner une autre version, par exemple pour les épreuves ou pour le nom des sœurs dont on a besoin en fait, pour, comme disait Adrien, pour ne pas dire la première sœur, la deuxième sœur, blablabla, pour vraiment poser un nom dessus et dire au lecteur, voilà, ok, certes ces noms ne sont pas attestés dans l'œuvre antique, puisqu'Apulée ne parle que deux sœurs et souvent d'ailleurs il les présente ensemble,
Mais nous, pour la nécessité de notre travail, on leur a donné les noms tels qu'ils ont été attribués par la postérité. Oui, bah ça me convient, ça, oui. D'accord. Donc, si je résume, c'est on fait des incursions globalement quand ça nous arrange, en les identifiant bien et en disant que ce n'est pas la version canon d'Apulée. Et par contre, on peut s'autoriser, parce que je vous rappelle qu'on écrit un texte latin, mais on propose également, après, un élargissement littéraire, philosophique, historique, etc. Et écrit cette fois en français, et dans ces élargissements, on peut aussi s'autoriser à dire d'autres auteurs présentent les choses autrement, sans empiéter sur notre récit latin. Hein. On est d'accord qu'il faut que le récit latin il soit à peu près univoque et qu'on va passer notre temps à raconter 40 000 versions. Pour le coup, c'est ce que ferait un historien, genre, je sais pas moi, Suétone. Ça lui arrive et au bout d'un moment, on sait plus où on en est avec des digressions dans les digressions dans les digressions. Et c'est absolument pas ce qu'on vise, c'est certain. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que dans cette introduction, il serait quand même pas pertinent d'expliquer que selon un poète plus tardif, Psyché est une femme qui est désirable pour beaucoup d'hommes. Et comme ça nous pose quand même le cadre pour le premier chapitre en expliquant pourquoi Vénus est jalouse. Elle est jalouse parce que bah, Psyché attire tout le monde à elle, alors que normalement c'est la prérogative de Vénus. Est-ce qu'on le précise ça ou pas? Mais ça, sauf erreur de ma part, c'est présent chez Apulée aussi. La seule chose qu'Apulée ne dit pas, c'est que tout le monde veut l'épouser. Mais Apulée, me semble, dit bien que finalement, les gens de la cité finissent par oublier en fait le culte à Aphrodite et par ne plus du tout la vénérer parce qu'ils vénèrent justement celle qu'ils considèrent comme son incarnation vivante. Enfin, c'est ce que disent Armand, je crois aussi. Eh ben alors, si c'est le cas, c'est parfait. Parce que je relisais aussi le début d'Apulée. Parce que Oui, voilà, par et... exemple, une phrase que j'ai relevée, c'est cet extravagant transfert des honneurs célestes au culte d'une mortelle enflamme d'une violente colère la véritable Vénus. Et en latin, Ouais. verae veneris, avec ce terme de verae qui est quand même hyper important, puisque il y aurait finalement un faux prophète, pour reprendre les mots de Lucien, un faux prophète sur Terre qui prendrait la place de Vénus et ce qui déclenche son courroux. Ok. Bon, alors, si on résume, on n'a pas de problème en fait. Juste pour les noms des deux sœurs, on précise que quelqu'un d'autre nous a donné les deux noms et on les donne. Voilà. Personnellement, c'est ce que j'ai fait dans ma version, mais c'est sujet à discussion. Bon, bah non, mais je crois qu'on est tous en train de partir là-dessus. J'en profite pour rappeler que s'il y a des gens qui nous regardent en live, nous sommes tout à fait ouverts à interventions et à commentaires, et nous suivons en même temps vos potentielles interventions sur le live YouTube. Donc n'hésitez pas à intervenir et à réagir. Je crois que Florence Garambois avait fait une proposition de première phrase la dernière fois qui était pas mal, et elle avait un peu repris Apulée, je crois. Vous vous souvenez d'Orient? Vous lui aviez dit que c'était bien? Mais en fait, c'est la première phrase d'Apulée. Enfin, quand il ouvre le conte, c'est Erant inquidam civitate rex et regina. Eh ben c'est pas mal ça pour commencer. Ça pourrait être notre phrase 1. En Vous spécifiant voulez bien? bien. Ah bah voilà, j'avais pas vu que vous l'écriviez, j'étais dans mon Apulée. Donc Erant inquidam civitate rex et regina. Clara, vous traduisez? Ça donne quoi en français cette phrase? Erant inquidam civitate rex et regina? En fait, il y avait dans une certaine ville un roi et une reine, Oui, vous êtes sûr pour ville? une cité plutôt. Oui, en revanche, Dorian, il y a un problème. Voilà, vous l'avez corrigé tout seul. On avait un problème sur le Oui, sur sur le quidam. quidam, oui, voilà. Civitas, Voilà. c'est féminin. Et est-ce qu'on pourrait pas traduire par il Voilà. était une fois? Ou c'est Ouais, trop je pense qu'on éloigné? peut. Non, D'accord. non, je pense qu'on peut. Très bien. Parce que surtout Parce que le j'avais errant commencé comme comme ça, ça, moi, dans le truc. il était une fois dans une. Alors, est-ce que certaines, ça vous convient? Moi, je trouve que certaines, c'est. Je trouve qu'on peut aller un peu plus loin. Dans une cité, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Dorian, vous avez des idées à la place de certaines? Eh ben c'est la question que je me suis posée en préparant, c'est que bon, si on en suit la définition stricte de quidam, c'est incertain, qui est connu du locuteur, mais dont on ne donne pas le nom. Et alors, j'avoue que je sèche un peu, à part remettre juste une cité. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire en fait, parce que C'est ce que j'ai fini on par sait mettre, pas. mais... Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ou alors, non, mais on va laisser. Il était une fois dans une cité un roi et une reine. On pourrait même mettre un roi et sa reine. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah oui, ça fera utiliser un autre vocabulaire, enfin un autre déterminant. Alors après, on le rajouterait pas en latin parce que de toute façon, le possessif serait sous-entendu. Donc, c'est vous qui voyez, soit on dit un roi et une reine, soit on dit un roi et sa reine, peu importe. Alors, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? Est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu l'écran, Dorian? Alors, Merci. Donc, royaume riche. Bah, peut-être que le fait que le royaume soit riche, soit on l'inclut dans un, soit on en parle dans deux. Qu'est-ce que vous préférez? j'avais une question pour la première phrase. Oui. Parce que je m'étais demandé, enfin, par rapport à la traduction, il était une fois. Oui. Si en latin, on ne rajouterait pas un adverbe pour, enfin, parce que littéralement, c'est il y avait. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas cette nuance très temporelle qu'on a dans le, il était une fois, enfin, dans le sens où il y avait il y a longtemps. Si on pourrait rajouter un olim, par exemple, et rent olim, alors qui Très nous bien. fait un peu sortir d'Apulée, mais au moins ça traduit bien cette expression de il était une fois. Ok, Je sais pas ce que vous en ça me pensez. va. Ça vous va aussi, les autres? Oui. Bon, parfait. Donc, erant olim in quadam civitate rex et regina. Super. Olim, est-ce que vous pouvez le mettre en italique, Dorian, s'il vous plaît? Alors, justement, Ah, est-ce que vous on... mettez en italique parce que c'est la citation d'Apulée et C'est vous laissez ça. olim en romain parce que c'est nous qui rajoutons, c'est ça? C'est l'idée. Parce Ok, que dans parfait. le petit latin final, on essaie d'indiquer assez explicitement quels sont les Ouais. passages tirés directement de l'œuvre originale. Ok, je comprends. Et le fait que la ville soit riche, alors, est-ce que on fait un petit 2 spécial ville riche ou est-ce qu'on le rajoute dans le petit 1? Armand, il n'y a pas d'avis. Clara, vous avez un avis? Est-ce que la ville riche, on la rajoute dans le petit 1 ou est-ce qu'on fait un petit 2 dessus? Tout dépend de l'apparence finale, si le prologue sera assez conséquent ou non. Et si il n'est pas assez conséquent, et ben on le mettra en deuxième phrase. Et s'il est suffisamment conséquent, et ben on peut le laisser dans le 1. Enfin, Oui, alors après, on n'a pas je non plus 40 000 trucs à raconter dans ce pas. prologue. D'accord. Donc, Donc je me dis, il est on met assez. en deux alors. On met en deux. Je me Moi. demandais si du coup, fallait pas mettre royaume dans la première phrase au lieu de cité, parce que du coup, on va avoir deux fois cité et on perd la dimension du royaume qu'on a au départ. Oui, Donc, on alors devrait avoir. ceci étant, Apulée dit bien civitate lui aussi. Donc en fait, nous on dit royaume parce qu'il y a un roi et une reine, mais en fait c'est la notion de royaume, elle a vraiment un côté médiéval. Vous voyez, Emmanuel, le Oui. royaume, il n'existe pas vraiment dans l'Antiquité. C'est une cité qui a un roi, genre Sparte, genre les Étrusques du temps des Tarquins, mais on ne parle pas vraiment de royaume. C'est pour ça que le mot il n'est pas employé chez Oui, genre Apulée. Agamemnon à Mycène, ce genre de choses, je suppose. Oui, c'est ça, ouais. C'est un roi, mais c'est pas pour autant qu'on parle de royaume. D'où le terme de cité. Après, on peut très bien, là, on a utilisé civitas, on peut très bien utiliser un autre terme pour parler de la ville, vous en connaissez, et là, expliquer que c'est une cité avec beaucoup de richesses, et détailler une ou deux richesses. Quelle idée de richesse vous auriez, qu'est-ce qu'il pourrait avoir vous avez des idées, non? Une richesse des terres. Oui, pour avoir beaucoup de terres, effectivement. Dorian. Une richesse, je veux dire,
au sens d'argent, je veux dire, il y a de beaux bâtiments et les personnes sont assez aisées. Bon, alors, il me semble que ça suffit hein, de dire qu'il y a beaucoup de terre, il y a de l'argent et il y a de beaux bâtiments. Hop, voilà, et ça suffit de nous faire une cité riche. Hein. Bon. Bon, parfait, Dorian nous fait le français. Cette cité était riche, riche de belles terres, de beaux bâtiments. Bon, on va noter, on améliorera après. De beaux bâtiments et de beaucoup d'argent, mais alors vraiment, c'est pas beau, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de le faire en latin et après on voit comment on améliore notre français. Donc, co comment... Oui? À la place de beaucoup d'argent, on pourrait pas dire riche d'or, parce que ça Était parle pas riche du de tout. belles terres, de beaux bâtiments et d'or. Très bien, c'est mieux. Allez, excellent. Alors, cette cité était riche. Vous savez dire ça? Qui c'est qui nous le fait? Moi, je vois rien. Et que je concise un peu. Oui, je veux C'est bien, riche qui merci. vous... C'est la manière dont Non, on non, nous dit riche qui vous pose problème? je vois pas. Ah bah super, merci. Alors, C'est mieux? Ah. Armand, vous n'avez pas d'idée? Copiosus. Ouais, on Enfin, pourrait c'est le dire terme que j'avais utilisé, copiosus. mais bon, je ne sais pas est-ce que ça va rentrer. Ou pecuniosus. Sinon, il y a même un terme encore plus courant normalement pour dire riche. Pecuniosus? Dives, dimittis. Ah. Je pense que dives, c'est pas mal, sauf si ça s'utilise que pour les gens. Donc je vérifie. Mais non, mais copiosus, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une nuance péjorative. Un sol riche. Non, je pense qu'on va utiliser Dewes, c'est le plus courant et ça s'utilise aussi bien pour les personnes que pour les choses, que pour les terres, ce genre de choses. Alors pour citer, on va pas réutiliser Kiwitas. Qu'est-ce que vous proposez? Oh, vous n'avez pas d'autres termes pour citer dans votre tête? Est-ce qu'on considère que c'est un oppidum ou est-ce que c'est plutôt ours ou est-ce que c'est Si c'est une cité riche, opulente, etc., à votre avis? probablement Plutôt ours. ours. Bah oui, je pense qu'on va prendre ourps. Ça va être une ourps. Donc, cette cité était riche. Alors, oui, aec, ourps. Eh bien, était riche, Dorian. Ah, c'est où, d'accord. Dives erat, oui. Madame Garanboisrelel, vous direz, c'est pas un V, c'est un U. Oui, ça c'est le genre de choses que je corrige après quand je revois le texte à la fin. Oui, non, mais Oui. c'est parce que moi aussi j'ai le tic. Mais non, mais n'empêche que, sans rire, Dorian, excusez-moi, faudra qu'on se mette d'accord pour savoir si on fait vraiment des. Enfin, si les lettres ramistes, on les enlève ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait V ou est-ce qu'on fait U? Parce que l'usage dans les petits latins, c'est plutôt de garder le V. Donc, faudra qu'on se pose la question. Mais bon, pour le moment, soyons plutôt sur un latin universitaire et mettons des U. On verra après si on les conserve ou pas. Donc cette cité était riche. Oui. Alors il faut regarder comment on fait la construction. Riche de belles terres, de beaux bâtiments et riche d'or. Alors comment ça se construit? Vous savez comment ça se construit après pour refaire la suite? Alors est-ce que vous pouvez écrire Dorian? Je vais citer le Gaffio. Est-ce que vous pouvez écrire dives pecoris? Deux points riches en troupeaux. Et je rappelle que c'est pecus pecoris neutre. Donc, vous comprenez que c'est quoi la construction? Armand? Dues plus génitif. Oui, c'est ça. C'est dives plus génitif. Donc, c'est assez simple. Riche de belles terres génitif, de beaux bâtiments génitif, d'or génitif. Quelqu'un a une proposition pour les belles terres?
Bella Stereo, terrasse. Je pense pas qu'on va utiliser terrasse. Qu'est-ce que vous en dites, les autres? Aguerre, c'est bien. J'ai pas compris, Clara. Aguerre, pardon. ADR. Non, Aguerre, le chant Aguerre à. Ah, Aguerre, oui. Voilà. Parce qu'en fait, Alors, Aguerre pour. c'est des terres fertiles. Enfin, c'est des terres. Ouais, c'est vraiment les terres C'est agricoles. ça, moi, je pense. Pourquoi je vous ai refusé Terra, Emmanuel? Je peux me justifier, hein, et je vais le faire. Terra, ça a vraiment le sens soit de globe terrestre, soit de sol terreux, vous voyez? Alors que là, ce qu'on veut dire, je pense, c'est plus des terres fertiles, des terres qu'on peut cultiver. Qu'est-ce que vous en dites, les autres, Daguerre, ça vous convient? Ben oui, Oui, bon, a absolument. priori, vous ne faites pas trop de difficultés. Et ben, Armand, vous nous dites riche de belles terres. Alors, sachant qu'on va utiliser aguerre agri masculin. Belle, est-ce qu'on le rend au sens littéral de beau ou est-ce qu'on essaie de trouver un adjectif pour rendre. Parce que belle terre, est-ce que ça voudrait dire nombreuses terres? Est-ce que ça voudrait dire terre de bonne qualité? Est-ce que ça voudrait dire terre fertile? Je ne sais pas comment on peut le Alors, rendre. la seule certitude que j'ai à ce sujet, c'est qu'on a à la fois belle terre et beau bâtiment. Ça veut dire que en français, on a choisi le même terme, donc en latin, on va devoir choisir le même terme. Mais comme on avait Donc, dit par que. exemple, non, non, j'allais dire par exemple, si vous partez sur la notion de terre nombreuse, ça va vouloir dire que les bâtiments, bah, ils auront une notion de nombre aussi. Vous voyez? Est-ce qu'on peut changer la traduction? Mais c'était ça le problème, Ok. c'était ça que je me disais parce qu'on avait dit comme la traduction, elle était pour le moment que temporaire, est-ce qu'on garde belle dans les mêmes sens pour terre et bâtiment ou est-ce qu'on essaie de trouver un autre adjectif pour On rendre peut cette. pas dire somptueux de bon de somptueux bâtiment, Si, par exemple. on pourra le dire. Alors, du coup, quel sens vous donnez à Belle devant Terre? Bah, Je c'est. suis Vas-y, vas-y. fertile. Par Oui, les moi je voyais propositions fertile aussi. d'Armand, je trouve que fertile était riche de terres fertiles. Parce que c'était signe de prospérité. Si on était capable de cultiver et qu'on Ok. avait un rendement, c'était signe de prospérité économique, enfin, me semble-t-il. Ok. Alors très bien, on va dire que la terre, elle était riche, pardon, que la cité, elle était riche de terres fertiles. Une quelconque idée de comment on va dire ça? Alors, fertile, il me semble qu'il y a fertilis, mais je ne sais pas Oui. si ça utilise vraiment dans ce sens. Je sais qu'on peut Alors parler moi, d'anus j'ai fertilis, fertilis mais. et j'ai fecundus. Alors, il faut qu'on regarde Ah lequel on va employer. oui, Alors, Fecundus, ça me semble bien. fecundus, ça vous plaît? Oui. Bon, bah alors je Mais regarde si on peut prendre Fecundus. le premier sens, fécond fertile, fit terra fécondior, la terre devient plus fertile si c'est rond. Bon, bah alors vous voyez, je n'avais pas Fecundus pour rien dans la tête. Donc on fait avec Fecundus et Aguerre. Armand, à vous. Haec urbs dives fecundorum agrorum erat. Ok. Oui, du coup, le errat, on peut le laisser en suspens le temps de compléter. Nous avons ici trois termes, terre fertile, beau bâtiment et d'or. Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on fait en latin quand on a trois termes comme ça pour les coordonner ou les juxtaposer? Il me Oui, semble que parce que sans. Oui, pardon. pour être clair, on ne va pas pouvoir faire virgule et après mettre et. Non. Ça, ce n'est pas une solution acceptable. Il me semble que la règle, c'est soit on met des et partout, on coordonne avec et partout, soit sinon on peut faire aussi avec que, fecundorum que. Voilà. Et puis sinon, c'est soit des virgules partout. Oui, en fait, la possibilité, c'est ça. C'est soit c'est et partout, soit c'est virgule partout, mais global, soit ça peut être virgule, virgule, que. Mais là, on va pas avoir assez pour le faire. Donc, on choisit soit et partout, soit virgule partout. Qu'est-ce que vous préférez? Et, c'est pas plus latin. Je pense que mettre et partout, c'est plus latin, oui. Surtout que ça me semble mieux dans le sens où on distinguerait bien. Comme on a à chaque fois des groupes avec un adjectif et un nom, ça permet de bien distinguer que ce soit, que ça, par exemple, que ça puisse pas être interprété comme cette ville, cette cité était riche de nombreuses choses fertiles et de terre. Enfin, on comprenne bien que Fecundorum va avec Agrorum,
Enfin, un seul bloc. Oui, très bien. Donc, Fecundorum Agrorum est. Et donc, alors Emmanuel, les bâtiments, ils les veulent somptueux. Moi, j'ai rien contre. En revanche, je vous le dis tout de suite, Emmanuel, moi, je sais pas dire somptueux en latin. Donc, on va Je peux regarder ce dire. que nous dit le dictionnaire. Sauf si vous avez déjà des idées. Je vais aller regarder dans les dons, en fait. Oui, bah, c'est ce que je fais. Je suis en train de regarder dans les dons. Vraisemblablement, on a Sumptuosus chez Cicéron. Et on va aller regarder le contexte dans le Gaffio, je vous tiens au courant. Alors, sumptuosus. Scooter onéreux, somptueux, en parlant de jeu ou de construction. J'y suis étonné. Eh ben, oui, bah c'est bon, si ça passe pour des constructions, c'est bon hein, pour des Mais bâtiments. après, Suétone, l'exemple, c'est Portus operis somptuosissimi, port dont la construction est très chère. Donc là, c'est plus le sens Ah. coûteux que somptueux. Enfin, c'est somptueux, j'ai l'impression, dans le sens beaucoup d'argent, enfin, a nécessité beaucoup d'argent pour Ouais. la construction. Il y a un jugement de valeur derrière, là, dans cette phrase. Donc, Ouais. non, ça va pas. Alors, sinon, ce qu'on pourrait dire, c'est en fait, par somptueux, on veut dire que c'est admirable, extraordinaire. Donc, est-ce que quelque chose comme mirabilis irait pas? Non, ça vous convainc pas, Mirabilis? Étonnant, miraculeux, merveilleux. Oui, étonnant, singulier, admirable. Non, ça vous va pas, Mirabilis? Si, c'est bien, moi je trouve. Dorian, ça lui va pas. Je le vois à sa Si, tête. si, 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 c'est bon. Bon, alors, Mirabilis, c'est bon. Et ah oui, les bâtiments, comment on dit bâtiments? Aïtes, non, Aedificat, non, je sais pas. Ben, je sais pas, je pense que Aed... votre Aedes, il est pas mal. Ou Aedificatio, C'est pas un Aedificationis. peu trop Vous générique l'avez. comme terme, trop spécifique comme terme? Eh bien là, on a construction édifice chez Caton, Cicéron. Aedes, il me semble que c'est un terme plus poétique, ici, qui veut dire le palais, non? Le Ouais, temple. vous avez raison. Vous avez raison. Je suis en train de regarder avec vous. Ouais, Aedificatio. Ok. Donc, on utilise Aedificatio et Mirabilis, le tout au génitif pluriel. J'allais demander à Armand, mais il s'est réfugié derrière son mouchoir. Ah non, c'est bon. Ah non, je peux. Allez-y, on vous écoute. Donc on utilise Mirabilis. Oui, et Aedificatio. C'est féminin, mais de toute façon, ça ne change rien. Mirabilium. Aedificationum. Ouais, c'est bon. Et, du coup, et d'or. Pas d'adjectif devant or, on rompt le rythme ternaire. C'est pas grave, hein. Et de beaucoup d'or. Enfin, je sais pas si. Oui, alors qu'est-ce que vous entendez par beaucoup, genre multus? Ouais, par exemple. Ou... Ok. Et or, on prend quoi? On prend aurum? Aurum in neutre. Des filons d'or, Emmanuel, des vous vous boutons sentez de nous le faire en d'étain. latin? Non. Je dis non, je sais pas pourquoi. Alors déjà, aurum in neutre, vous nous le mettez au génitif. Attendez. Bah non, au génitif singulier, du coup, vu qu'on va faire de la quantité. Bah, c'est pas Auri, mais Si, beaucoup. être auri, et devant, vous allez mettre l'adjectif, donc qui est multus aum. Bon, bah, je Également au dirais génitif multi. singulier. Oui, c'est ça, multi auri, très bien. Donc, haec urbs, dives, fecundorum agrorum et mirabilium aedificationum et multi auri erat. Bah écoutez, ça m'a pas l'air mal, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, très Ouais, bien. c'est bien. Alors, de quoi faut-il qu'on parle après, Dorian? Vous pouvez remonter un peu? J'avais juste une question. Oui? Est-ce Oui? que, alors, on avait vu avec vous qu'en thème, que chaque phrase, elle devait être coordonnée. Oui, alors, sauf que là, on est quand même dans un petit latin. Donc, D'accord. si on rajoute des hac, atque, etc., à chaque fois, ça risque d'être un peu Oui. lourd. Et, argument complémentaire, on a un haec de début de Oui, phrase. oui. Or, c'est presque comme si on avait un lien, puisque ça pointe ce qu'on vient de voir. D'accord. Donc, on va être
un peu moins strict que ce que je vous ai appris pour le thème universitaire, à savoir le lien à chaque phrase, mais je suis d'accord, moi ça m'arrache de pas mettre de mots de liaison. Merci. Alors, après, on a dit qu'il faut qu'on parle du personnage principal, donc Psyché, plus jeune fille, très belle, deux sœurs, de nombreux prétendants. Est-ce que quelqu'un a préparé cette phrase et peut nous la dire en latin? Dorian fait oui, bah c'est pour vous, on vous écoute. Alors, j'avais tourné les choses un peu différemment. Enfin, j'avais fait le lien avec la première en disant que les rois et la reine avaient trois filles. Alors, bon, j'avais mis un relatif de liaison parce que ça venait juste après, mais là, il va falloir le remplacer, je pense. Et j'avais dit quibus erant tres. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Filiae. Donc, ils avaient trois filles. OK. Donc, je comprends par rapport au roi et à la reine, mais du coup, votre relatif de liaison va falloir le virer, mais on va voir. Oui. Donc, ils avaient trois filles. Alors, peut-être qu'on peut s'occuper de ce ils avaient trois filles tout de suite. Et bah, tout simplement, est-ce qu'on ne remplacerait pas par Rex et Regina? On peut les répéter, c'est pas très grave, hein. Donc, Regina eque errant tres filiae. Voilà. Est-ce que Clara, c'est clair pour vous pourquoi Dorian il écrit Regina Equé? C'est quel cas et est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair, mais moi je mettrais plutôt le verbe à la fin, mais après. Avec le verbe être, on n'est pas forcé. Le verbe être, on D'accord. peut le trouver un peu comme ça D'accord. au milieu de deux éléments, c'est pas dramatique. Bah, alors juste, vous pouvez nous expliquer pourquoi Dorian il a mis du datif pour Regi et pour Reginae? Parce que c'est être plus datif, c'est le sens d'avoir. Mi Oui. est liber. J'ai un livre. Voilà. Oui, très bien. Oh, Non, mais c'est s'il pour était deux. c'est pas pour vous prendre en faute, hein, c'est que je Non, me non, dis non. que si on a des auditeurs et des C'est auditrices ça, qui ne maîtrisent oui. pas cette particularité grammaticale, c'est bien de l'expliciter. Oui, vous Je avez rappelle raison. d'ailleurs que si des auditeurs et des auditrices veulent réagir, nous prenons leurs commentaires et nous les guettons. Ok, le roi et la reine avaient trois filles. J'ai une Là, question. pour le coup, Enfin, oui, peut-être Armand. une remarque. Le fait de les trois premières phrases, on a le verbe être, on a errant, errat, errant. Est-ce que ça ne fait pas trop répétitif et trop simple de d'avoir un prologue avec trois phrases et trois verbes être? J'entends votre remarque. Au demeurant, on est dans le prologue, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, le niveau va monter. Premier D'accord. argument. Deuxième argument, le rôle du prologue, c'est aussi de définir qui est quoi et qui fait quoi. Et c'est vrai que on est un peu en train de enfin, sur un contenu hyper basique, quoi. Donc, peut-être qu'effectivement, pour les autres phrases, on variera, mais bon, là, D'accord. c'est pas dramatique. Dorian, vous n'avez pas fait la suite, donc ils avaient trois filles, blablabla? Le fait que leur nom. Ouais, leur nom et Psyché très belle. Alors ça, justement, j'ai fait. C'est une phrase après. Alors en fait, si vous voulez, j'écris ce que j'ai écrit. Ouais, Et écrivez. donc j'ai écrit Poeta quidam fert earum nomen. Suken, Aglauron. Genre, c'est les noms que je suis allé chercher. Chez Molière. Sidipen quae fuisse, sed antiqui tantum noverunt iunioris nomen Psyken. Et après, j'ai fait une phrase ensuite qui dit. Psyché était non seulement la plus jeune, mais aussi la plus belle des trois sœurs. OK. Alors, on reprend les choses une à une parmi ce que vous venez de nous écrire. Alors, ce que vous faites, c'est que, attendez, vous pressez pas à taper la traduction, vous nous le faites en nous expliquant. Alors d'ailleurs, j'ai oublié mon bistil. Alors, qu'ai-je voulu dire? Que poeta quidam. Donc, on reprend le quidam de la première phrase qui fait un lien et on voit qu'en fait, on est dans quelque chose d'un peu indistinct. C'est le prologue, on pose des bases. Donc, un poète, nobis Oui. fert, ferro ici dans ce sens, au sens de rapporter quelque chose qui se construit avec une proposition infinitive. Donc, rapporte à nous. Donc là, c'est le lecteur qui investit. Un poète nous rapporte.
plus proposition infinitive, et arum nomen, que le nom de celle-ci, donc des trois sœurs, psychen aglauron, kipidenque fuisse, que leur nom était psyché, aglauron et sidip. J'ai une question sur le temps. Pourquoi fuisse, vous mettez un infinitif parfait? Pour marquer l'antériorité. Bah, bon, ne serait-ce que déjà en français, nous rapporte que leur nom était. Comme on est dans le prologue et qu'on a tout mis à l'imparfait, je me suis dit que, étant donné que, le temps, que ici on revenait un peu dans le présent et que c'est le poète qui nous rapporte que leur nom était, il rapporte que dans le passé leur nom était, et lui il écrit, ah ben, je me souviens, leur nom c'était ça, ça, ça et ça. D'accord, ok. Alors, le souci c'est que vous n'allez pas pouvoir laisser dans la traduction que leur nom était, parce que ça en latin on aurait mis essai. Pourquoi? Parce que, mais pourtant en français, je traduis un poète nous rapporte au présent que leur nom était dans le passé. Oui, je vous entends. En fait, ouais, ok, leur nom vous allez, je comprends pourquoi vous dites ça, et ok, vous allez laisser comme ça. En mais soi. On peut mettre essai, si vous préférez. Non, 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 parce que ça se justifie complètement en termes de sens ce que vous dites. Non, non, vous allez laisser comme ça. Okay. Vous allez laisser comme ça. In extenso, il aurait fallu soit mettre. Enfin, je complique les choses, m'écoutez pas. Et faites ce que vous avez fait. Donc, oui, je suis d'accord, on va fouisser très bien. Alors après, vous reprenez avec Ced. Donc, Ced. Ah, je crois qu'Emmanuel avait une question. Oui, bah, en fait, je ne comprends pas du coup pourquoi on ne met pas essai, parce que leur nom était, mais ça l'est toujours. Enfin, c'est pas vraiment du passé, en fait. C'est un effet stylistique qu'essaye de faire Dorian. Il veut montrer que ce n'est pas un poète antique qui a écrit ça. Et donc, du coup, avec son fouissé, il établit une différence de temporalité entre le temps de l'Antiquité, qui est le temps du récit d'Eros et de Psyché, et le temps du poète qui dit ça, à savoir La Fontaine. Et cet écart temporel, il est matérialisé par son fouissé, qui, pour le coup, montre bien qu'il y a une vraie différence de temps. Maintenant, essai aurait également été possible, selon ce que vous dites, vous, Emmanuel, à savoir que leur nom, il l'était, mais il l'est toujours, puisque cette histoire, de toute façon, elle a continué à être écrite. Donc, l'un et l'autre argument s'entendent. C'est pour ça que j'ai dit à Dorian, m'écoutez pas. C'est parce que l'une et l'autre solution, en fait, sont envisageables. Donc, après, à savoir si on a envie de marquer ou pas l'antériorité, avec fouissé, le faire ne me pose pas de problème, mais mettre essai ne me pose pas de problème non plus. Sachant que je m'étais posé la question de est-ce qu'on écrit par exemple poeta, je sais pas, avec un adjectif comme recens, un poète récent. Mais bon, récent par rapport à quoi? Enfin, pour nous, c'est un poète du 17e, donc finalement, bon, c'est pas si récent que ah, ça. Vous, Mais... vous me ramenez, Dorian, à mon thème latin d'agrégation, quand il a fallu que je traduise, c'était les poètes modernes. Ah, c'était les poètes modernes, avec une référence à Ronsard et Dubellet notamment. Je sais plus comment je m'en suis sorti, mais c'est toute une galère. Et en fait, il y a quasiment aucun terme qui va pour dire ça. Donc, on va laisser poeta, point. Ok. Donc, un poète nous rapporte que leur nom était Psyché, Aglauron et Sipide. Oui, alors Aglauron, ça existe dans Gaffio? Oui, c'est Aglauros ou Aglaurus. Et comme c'est un nom d'origine grecque, j'ai gardé la déclinaison grecque, vu qu'on a une déclinaison grecque pour Psyché et pour Sidipe. Ok, c'est normal que ce soit écrit fille de Cécrops, parce que du coup, c'est pas la fille de Cécrops, mais c'est son nom en fait, et c'est un nom d'emprunt, c'est ça? Mais, alors, toute la question, c'est que si on en suit La Fontaine, qui l'appelle Aglaure, je crois, quelque chose comme ça, et oui, qu'on cherche Aglaure. Qui était cet Aglaure dans l'Antiquité, en fait, on voit que ça correspond à plusieurs personnages mythologiques, mais dans les faits, bon. Non, non, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Hein. Donc, Aglauron, ok, et Cudipen, bah, je vous fais confiance, vous avez cherché, je vérifie pas. Alors après, que, Ced, oui. Sachant que La Fontaine écrit Sidibe avec deux i, mais je suppose qu'il francise entre guillemets une forme grecque. Et vous l'avez cherché avec deux i? Oui, j'ai pas trouvé. Ah, et bah alors, très bien, on fait avec votre y, hein, c'est pas grave. Donc, qui dit Benkoué Fouissé, Ced Antiqui, mais les anciens, Tantum Noverunt. Alors là, j'ai pris le verbe nosco, qui littéralement signifie apprendre à connaître, et en le mettant au parfait, on a connaissait. Enfin,
C'est la question que je vais te poser. C'est là, littéralement, on pourrait traduire par les anciens connaissent, mais je me demandais s'il fallait mettre un plus que parfait pour arriver à l'idée de connaissait par rapport à ce verbe nosko. Non, je suis pas sûr, parce que toute l'opposition avec le CED suffit. En revanche, Dorian, personne ne vous a appris que CED, il y a des petites particularités d'utilisation. Oui, alors normalement c'est le retour au positif. Oui. Oui. Alors, du coup, je vais te demander, est-ce qu'on calque le français parce qu'en français, on pourrait mettre tout à fait sed ici, ou est-ce qu'on mettrait plutôt point, un petit quid tamen? Enfin, cependant, Non, les mais gens. Les... il y a d'autres mots pour dire mais, sinon, vous remplacez juste cède par autre chose. Hâte. Voilà, très bien. OK. Donc, hâte un petit quid, mais les anciens, tantum noverunt, ne connaissaient que. Oui. Junioris nomen, le nom de la plus jeune. Sachant que ici j'ai mis le comparatif Oui. de l'adjectif jeune parce qu'il n'a pas de superlatif. Et donc le comparatif est utilisé pour le superlatif. Oui, très bien. Et j'ai apposé donc psychen à nomen, et comme nomen est COD de nomerunt et que c'est donc un accusatif, j'ai mis psychen à l'accusatif. Oui, on peut gloser vos deux points, sinon, hein. On peut mettre virgule qui est psyché. Ou alors on laisse vos deux points, peu importe. Oui, bah allez, laissons vos deux points, Je hein. trouvais la phrase On va déjà pas longue, s'embêter. mais d'accord. Oui, non, c'est très bien. Armand, Emmanuel, Clara, ça vous va? Oui, tout à fait. Ok. Alors, Bah, j'avais une Dorian, du question. coup. Oui? J'avais une question. Est-ce que... Là, c'est une pure question de grammaire. Là, j'ai mis nomen au singulier, mais dans Oui. les faits, il y a trois noms. Il y a psyché, Oui. aglauron, icipit. Est-ce qu'on laisse au singulier? Ou est-ce qu'on est obligé de mettre nomina? Ah oui, Que c'est intéressant leur, votre question. parce qu'en français, on dit elle s'appelait. Donc littéralement que leur nom au pluriel à elle était. Oui. Mais en réalité, en français, il me semble qu'on pourrait dire que leur nom, au singulier, que leur nom Oui, était. en français, on pourrait le faire au singulier. En latin, par souci purement grammatical, on va, vous avez raison de le souligner, le mettre au pluriel. OK. Je pense, hein, que, dans des écrits qui ne seraient pas, par exemple, cicéroniens, on pourrait le garder au singulier et que ça ne poserait pas de problème de le développer après avec trois pluriels. Pour un matériel pédagogique, c'est peut-être mieux de le mettre au pluriel. Ok. Donc, c'était une excellente question, Dorian, bravo. Est-ce que je vois qu'il est 15h05. Est-ce que vous pouvez me montrer, Dorian, les points qui restaient à aborder? Eh bien, le fait qu'elle est la plus jeune, enfin non, la plus jeune, on l'a déjà dit. Oui, Le très fait qu'elle est belle. très belle, Nombreux le fait qu'elle prétendants. a alors, nombreux prétendants et le fait qu'elle n'est pas mariée. Oui. Et on Eh ben, s'était dit qu'on pourrait mettre une phrase sur les deux sœurs. vous pouvez le rajouter plus pas marié dans le en haut. Oui. Voilà, donc ses parents très fiers d'elle et des sœurs mariées à des rois dans des contrées lointaines. Bon, alors je vous propose que on s'arrête là. La prochaine fois, donc on finit la présentation du prologue. Et peut-être que Dorian, j'ai retenu ce que vous disiez, à savoir mettre un encart en expliquant que oui, il y a eu plusieurs réécritures du mythe. Ça peut être intéressant de le mettre en fait un peu comme un élargissement qui ferait suite au prologue et qui expliquerait bah, ce poeta quidam. Donc peut-être qu'on réfléchit pour la prochaine fois à ce qu'on va pouvoir mettre dans cet encart explicatif, disant et expliquant qu'il y a eu plusieurs versions du mythe et que nous, on en réécrit une. Donc si je suis clair, la prochaine fois, on finit le prologue et on se penche sur cette espèce d'encart explicatif. Et du coup, on se penchera également sur la partie unilingue, à savoir, vous vous souvenez, hein, il y a une partie bilingue pour les gens quand ils vont lire, il y aura le français et le latin. Et il y aura une partie unilingue où il y aura que le texte latin. Et nous, en dessous, on leur met du vocabulaire et des explications étymologiques pour qu'ils puissent suivre. Donc la prochaine fois, on s'attellera à ça aussi. Donc je résume, prochaine fois, on finit le prologue,
On rajoute un encart explicatif sur les versions du mythe et on s'occupe de rédiger la partie unilingue avec les notes de vocabulaire et d'étymologie. D'ici là, Dorian va bientôt nous couper le live et l'enregistrement. Donc, nous remercions nos aimables auditeurs et auditrices qui ont, l'espère, trouver du plaisir à visionner nos séances et nous leur disons à la semaine prochaine, mardi 18 octobre à 14h, exactement le même horaire. Et d'ici là, nous vous souhaitons une bonne semaine.